On a eu quoi? Quelle connerie. Bon, c'est bon, j'ai 3 gemmes légendaires. On est beau gosse. Maintenant, il faut les faire passer les 3 à 25. Alors, mes loots. On va voir les loots. Je pensais être toute la merde, mais bon. Anneau de Nagel. Invoque un forcené déchu. Ernu à chier. Pesanteur terrestre. J'ai déjà. Fureur de la cime disparue. C'est bien ça, non? Ah, ça je l'ai déjà, mais en palègue ancien. On va remplacer, on va... Voilà, elle, elle vient là, et elle, elle vient là. Ok. Je sais pas si c'est bien, mais... Bah ouais, hein. Eh, futé, hein. Frère de sang. Oh. Oh. Ah, c'est une deux mains, merde. Je pensais que ça... Ah, mais si, je peux le mettre à... Je peux la mettre à sur mon croisé. Comme il peut avoir des armes de main. Est-ce que c'est bien sur le croisé? Non, c'est juste c'est un skin. Là, je vais la garder pour le croisé, ça se trouve c'est la merde, on verra. Écharpe de haine, oh là là. Bon, ok, ça a l'air d'être nul. Fulminante. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais elle est en légendaire ancien. Les gars de fou, une chance de charger l'électricité ennemie. Bon, ça a l'air rigolo. On va la garder sur le légendaire ancien, dans le doute. Ça, je les ai déjà. J'arrête du roi immortel. Ah, mais j'ai déjà aussi ça. On a j'arrête du roi immortel. Oui. Oui. Ok, barre-toi. Tasker et Théo. Déjà fait, Adrit. On a déjà fait en tourment 16 les deux. T'es à la bourre. Augmente les tests d'attaque de vos familiers de 49%. Rien à foutre. Lumière de la grâce. Rien à foutre. Bon, je crois que je laisse tout là. On est d'accord. Il y a tout qui saute. Ouais. Dites-moi, hein. Je vous dis tout dit à haute voix. Déjà fait, t'inquiète, c'était trop stylé d'ailleurs. Allez hop, c'est parti. On laisse le tout. Ok, maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est des failles hein, pour monter les 3 gemmes légendaires niveau 35. Et ensuite on fait ça et je fais déjà le champion et je passe en destructeur en vrai. Ouais. Ah ouais, est-ce que là... Là on est bien hein. Bon bah on va enchaîner les failles hein. Là il faut juste enchaîner les failles pour avoir mes 3 gemmes 35. Et je valide mon champion. Eh écoutez, le champ... Franchement, je vais peut-être le faire cette nuit, on va voir. Et ensuite, on switch de jeu, on va voir. Mais le champion pour un noob au deuxième... Là, on attaque le troisième jour de Diablo. C'est pas mal, hein. C'est mon deuxième live dating pendant Diablo. Je suis content, moi. Je suis plutôt content. On est content. On est concon, on est tentant, on est content. Et on passe en faille 90. Il me reste encore une clé. Ok. Et vous survivrez, oui. Ah oui, attends, ouais, mais cours du Berserker, je récupère pas encore les CD là. Pour l'instant, ça a rien que je le mette, c'est en clic droit parce que je récupère pas les CD, je crois, si. Quoique, en vrai, ça serait déjà stylé juste de le mettre en soi. C'est quand elle sera à 25, ce sera stylé. Hein. Là, faut que je monte les. Faut que je les monte, quoi. Putain, un coup de. 3 par. C'est chaud, hein. N'est pas encore prêt. Goûte donc à la peur. Faut que je m'habitue à utiliser mage en vrai. Pour avoir les 100% de dégâts en plus. Pas encore. Parce que je fais 100% de dégâts en plus quand je bouge pas. Ce qui est pas mal. C'est vrai qu'en vrai il est pas si mal le 7 hein. Il est pas dégueu en soi. N'est pas encore prêt. Les anciens sont putain mais les animations elles doivent galérer à suivre, c'est ouf. Salut Shashken! Oh putain, Shashken, ça fait longtemps, bordel! Ça va? Je joue le stuff de la saison du barbare, c'est ma toute première saison sur Diablo 3. Et je joue tout simplement le set frénésie. C'est celui qui est filé avec le barbare, quoi. J'applaudis! Le set sauvage.
Mais pas trombe, hein, le set frénésie en fait. J'ai la ceinture, j'ai les deux armes, j'ai la totale. Joue normal, ça déstack dans le stamp à instant. Ah oui. Après, ça me soulage un peu la main en fait, de jouer comme ça. Et là, en gros, je suis en train de finir le champion. Je crois que je suis full set, hein, si j'ai pas de conneries. Hein. Enfin, j'ai les 6 pièces, hein, mais je sais pas si j'ai encore des choses à améliorer dans le set en soi. Merde, j'ai raté une boule. Pas encore. GG à toi, ouais, moi je suis pas le top ladder, je sais, c'est ma première saison donc GG à toi, merde. Moi je t'avoue que je suis déjà juste content de progresser. Hein. Salut Zookmaster. Ok. Ça me soulage un peu en fait de juste rester appuyé devant le cliquer. Hein. Ce n'est pas encore prêt. Les anciens me donnent la force. C'est rigolo, je mets vraiment des patates du démon là en restant. Wow! 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 Il y a des booms là, je sais pas ce que c'est. En vrai, c'est déjà fat, attends, mec. Faible. T'inquiète, hein. Pas encore. Pouvoir obtenu, dégâts fortement augmentés. Très bien. Ce n'est pas encore. Je suis pas mal en vrai, hein. Je pense bien. Vous avez obtenu portrait de Paragon. Ah, parce que je passais 500. Ok. Mes coups vont t'achever. Ah ouais. Encore attendre. Alors tu vois, c'est rigolo que tu dises ça, Shashken. Parce que justement les viewers me disaient que bah, beaucoup de Warbar effectivement de base bah, joue trombe et tout. Moi je connais pas du tout. Donc tu vois, comme c'est ma première saison sur Diablo, j'ai pas d'autres comparaisons. Moi j'adore le jouer pour le coup, je trouve ça génial. Parce que sinon ouais, tous les barbares sont en mode trombe. Moi j'en sais rien, je trouve ça vachement rigolo de taper ultra vite. Hein. En mode défouloir quoi. Des bisous Lou, bonne nuit à toi. Et encore jeu d'anniversaire. 28 ans. Ça va, t'es né avant 2000. Ça va. Ce n'est pas encore vrai. Ah, c'est trop bien, Mage Pookie en vrai là. Je suis trop à l'aise, je prends un peu plus de dégâts. Mais c'est grave stylé à jouer. En vrai, je crois que j'ai fait plus de dégâts que la dernière fois. Bah j'ai quasi... Le 7 trombe, on est d'accord que c'est le 7. C'est l'autre 7 étendu sauvage, c'est ça Shashken? Parce que là j'ai 4 ou 5 pièges je crois. Et les Ferrari, mais l'autre du raccord. Ah bah justement tiens, le raccord c'est aussi l'autre que je suis en train de monter. Parce que je voulais tester, sans encore mourir radio. Vulcatos veille sur mon destin. Ouais, je vais bientôt finir. Parce que là j'ai testé Immortel, ça a l'air rigolo à jouer. Je sais pas si c'est bien, mais ça a l'air rigolo à jouer. J'ai fait le, tu sais le... Donjon de l'ensemble. Toi, ça que t'as dû le faire avec Tron, mais bon. Parce qu'il n'y a pas de donjon de l'ensemble avec, avec ça. Tu vises le périple ou pas du tout, toi? C'est le périple ici. Ou toi, tu vises vraiment le ladder de faille. Le but du jeu, c'est hardcore quoi là-dessus. Quoi. Je rappelle, hein, j'y connais rien. Donc, y a aucun jugement en ce que je dis, j'y connais que dalle. Oh, ça pique. Hein. Le gardien de la faille. Ah! Le voilà. Ah oui, c'est vrai que je fais les plus en plus gros dégâts. Étant donné que j'ai le debuff, non? Y'a ça? C'est ça, ouais. Bon, c'est joli tout ça. Ouais, mais après, faut pas mourir en hardcore, quoi. Donc bon, pas si mal. Chaque coup a 15% de chance de vous coiffer d'une couronne de foudre qui inflige un montant de dégâts de foudre égal à 1250% dégâts de votre arme sur 3 secondes. Oh, ça a l'air un peu nul, ça. Ouais. Pas pour moi, en tout cas. On va continuer de monter les gemmes. Hein. On va la faire passer, celle-là, niveau 25. Déjà. Et ensuite, on montrera les autres.
Ah, tiens, là, ça m'a compté comme quoi j'ai été rapide du lent, selon eux. Je sais pas ce que c'est, rapide, pour eux. Ok, le truc. Je l'ai fait en 7 minutes 28. Ah non, 5 minutes 52, excusez-moi. 5 minutes 52, c'est pas si mal. Nope, c'est que t'es pas mort. Ah ! Ok. Ok, ok, ah oui, c'est vrai. Je dois rentrer. C'est vrai, j'ai oublié Pouk-Pouk, tant pour moi. Bon, on va utiliser l'île de Ken, maintenant il y a trop de lag. En plus, j'ai deux fois les mêmes, là, ça devient débile. Nouvelle transmo, ok. Alors, c'est parti. C'est de la merde. Fierté de Cassius, augmente la durée de Duromal de 4 secondes. Ouais. Ouais. Unicité, c'est de la merde. Le grand-père, c'est de la merde. Chaque fois que vous détruisez un objet de l'environnement, c'est de la merde. Faire du roi immortel, j'ai déjà. Botte de glace, c'est de la merde. Porte... Oh, mais non ! Après Thunder Fury, il y a porte au centre, Pookie. Tu savais ? Quand vous tuez un ennemi, vous avez une chance d'invoquer un squelette qui combattra à vos côtés. Si vous en accumulez 5, ceux-ci explosent en infligeant chacun 1000% des dégâts de votre arme et l'épée se transforme en porte au centre pour une courte période. Bah ouais, mais bon, moi j'ai des rêves de vieux de WoW, j'y peux rien. Infligeant autant de dégâts sacrés. Je vais la garder, ça, pour le souvenir. L'arrache-cœur, c'est de la merde en toutes circonstances. Ok. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je découvre. C'est trop cool qu'il y ait ça. Ils ont mis porte-cendre et Thunder Fury, attends. C'est trop cool. Fais voir les poignets, là. Chaque fois que vous détruisez un objet de l'environnement, vous bénéficiez d'un gros bonus de vitesse. Ça, là? Qu'est-ce que tu me fais chier avec cette merde? Ah, et je mets les brassards irradiés sur le... les tiens, pardon. Ah, mes Némésis. Bah, c'est les Némésis que j'ai actuellement. C'est ça que je pourrais peut-être améliorer. Effectivement, peut-être en dégâts, quoi. Mais rappelle-toi, on avait regardé, on n'en avait pas vu. Hein. Les mieux, c'était ceux du Kourou et je les ai déjà. Mais je sais que j'utilise pas le Kourou, d'ailleurs. Et là, attends, on va le mettre, là. On va essayer en mettant le Kourou du Berserker. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu con, parce que j'ai le... Change-moi ces stats, là. De quoi, je sais même pas, on peut mettre le truc. Je gagne en puissance. Alors, attends. En parlant de ça, donc, Kourou du Berserker. Alors... Vire la régène, tu as crit sur poignée. Ah, stylé ça. Alors attends. Donc, la gemme. Quoi, c'est le qui le rend immortel. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, mais après, il faut que je mette l'anneau. Là, je peux pas. Donc, on stack la gemme. Dans ma collection de gemmes de merde. J'ai une belle collection de gemmes de merde. Belle collègue. Ça, on daise, on daise, on daise, on daise, on daise. Ok. Ça, tac, 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 ok. Ça, ça finit en daise, ça, ça finit en daise. Donc, via la régène, t'as critique sur poignée. Oh putain. Je vais encore galérer mon cul à le choper, c'est ça? Attends, j'ai pas un truc à faire là avec Tristram. Non mais genre poignée avec 4 sets possibles. Merde, je suis pas là au bon endroit, putain. Merde. C'est quoi déjà le prochain truc de l'hôtel des rites, hein, j'ai oublié. Ah ouais, c'est le truc, faut que je fasse des primes. On va bouffer de la prime, Pouk-Pouk. Hein. On ira vite à deux. Hein. Même en tournant 16, on ira très vite aussi, dire. Hein. T'as bien pris le truc en plus, t'es, on a pris le truc qui doublait les quantités de cash. Ça va aller très très vite. Hein. Oui, ça va, c'est pas le bout du monde la prochaine offrande. Et ça me permettrait d'avoir le 30 dégâts, le flat damage 30, là, ça me paraît pas mal. Font chier que leur gemme verte, là. Bah oui. Crois-moi, j'en suis bien triste aussi, hein. Ok. Ah bah, on les dit tous, hein. Regarde, j'en ai deux là, je vais leur en sacrifier une, ça me casse les couilles, hein, mais bon. Alors. Donc, tu m'as dit que ça... Vos temps de recharge sont réduits de 1% par charge de vivacité. Mais si j'ai 15 charges, quoi qu'il arrive. Je comprends pas comment ça réduit. Hein. 1%, donc de 15%. Ah ! J'aurais 15% avec son de CD. Ouais, mais ça revient pas alors, en fait. C'est juste... Pourquoi t'as genre 3 gènes dans le carquois, c'est ça ?
Ah, et c'est juste que j'ai 15% de plus. Ok. Je vois l'idée. Et merci pour le follow, Blue Panda. Bienvenue à toi. Ça, ça me rendra les points de vie. Hop, 3 torses et 2 jambes. Ah oui, tu veux pas de la force, toi. C'est le dex, les vertes. Ah, t'es deg, hein. Chez. Ok, donc tu m'as dit. Ah, attends, on va voir. On va tester ça. Donc, ici, paf. Paf. Ah ouais, chance de crit. Ouais, c'est bien ça. Je rends quoi le... Attends. Je vais quoi, sauter quoi? Vie par coup ou vie par seconde? C'est quoi le plus nul? Ça, il me faut que les âmes. Régène, c'est vraiment nul. Ok. Les compétences qui infligent dégâts physiques infligent 7% de dégâts en plus. Tristesse, je fais dégâts de feu. De toute façon, je fais tous les trucs, donc bon, Zef. Bon, prendre ça pour la blague. Putain. C'est soit diam sur les cac. Alors, tac. Sinon, stop troll, là. Putain, mais je nique ta race, toi. Hein, Pookie qui me dit oui, y a que 4 stats. Va chier que t'es 4 stats. Putain. Ah, c'est du troll. C'est du troll, ce jeu, de toute façon. De toute façon, ce jeu, c'est que du troll. Ouais, tu trolls, c'est toi qui trolls, là, je me suis pas planté, putain, attends, il y a bien le crit, là, regarde. Mais il y a pas 4 stats, il y en a littéralement 8. Il y a le double de ce que t'as dit. Faut arrêter. Déjà, tu sais pas compter. Déjà. Bon. Putain, c'est pas possible. Mais je vais perdre tous mes âmes oubliées de ces morts sur cette connerie. J'aurais pas dû t'écouter, là. C'est encore un truc pour perdre. Ah, c'est bon, j'ai rallié. C'est bon, je t'aime. On a combien de crit maintenant, là? On est à 36 de crit. C'est mieux. Alors. Donc là, il faut que j'aille refaire une faille des phalèmes. Hardcore. Enfin, pas vraiment. Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Parce que là, j'ai plus de clé. Donc, néphalème, c'est parti. Mais là, je vais la souiller, la faille, en T16, là. C'est ridicule. Ça n'a plus aucun sens, histoire, là. Ah, en plus, faut looter, quoi. Faut la suivre le plus vite possible. Mais oui, mais toi, va te coucher, là. La musique, elle est tellement belle. Je fais juste du clic gauche, hein. Rien à foutre. Personne ne peut me résister. Mon dieu, que c'est chiant, les failles 16, là. C'est moi ou mon pet, il galère un peu à suivre, là. J'ai l'impression que le pet, il est un peu largué, là. J'utilise même plus les compétences, hein. J'ai pas la foi. Pas la foi de faire les compétences, là. On va juste faire du clic gauche. Retourne en enfer, monstre. Attends, hardcore quand même, par contre, Shashken, ça va quand même bien mettre la pression en général. Hein. Stylé. Ce n'est pas encore prêt. Ah ouais, c'est stylé d'avoir. Je suis content d'avoir récupéré le cours de Berserker, c'est vraiment une compétence que j'aime bien. J'ai pas assez outil, mais je trouve ça vachement stylé en vrai. Plus stylé que du Romal quand même en clic droit. Oh la vitesse là aussi. Oh.
Hardcore, c'est littéralement l'ancêtre du roguelike, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tu recommences et c'est reparti, quoi. Par contre, ouais, faut vraiment être toujours focus, quoi. C'est forcément nul, la JPP de toi. Ah, c'est cool le hardcore, pour le coup. Hein. Mais donc là, par exemple, si je faisais hardcore, faudrait qu'on reprenne tout à zéro, tu sais. On est d'accord, l'enfer. Putain, sérieusement, un coffre, deux légendaires. Nawak. Bah, moi, l'intérêt, tu vois, c'est le scaling, en fait. Comme je découvre, ça me permet de découvrir toutes les fonctionnalités, de remplir le périple et tout, je suis content. Ça me suffit, tu vois. J'ai les skins, je découvre littéralement l'SP. Après, je pense que t'as fait beaucoup de saisons aussi, Diablo 3, non? Diablo 3, Shashken. Peut-être ça qui fait la diff. Plutôt que de dire que tu vois pas l'intérêt du softcore, c'est peut-être que t'as fait tout ce que t'as à faire avec le softcore, quoi. Bah voilà, la boussole. Exactement. Moi, je découvre, donc tu vois, voilà. Ça serait complètement con de ma part de jouer en hardcore alors que... Alors que j'ai... Enfin, je sais même pas ce qu'il fallait faire pendant une saison, dis-toi. Je connais pas les sets, rien, ça aurait été horrible pour moi. Franchement, j'aurais vraiment pas aimé faire du hardcore parce que... Déjà qu'on s'est pris la tête, mais en bien, dans le sens où on a dû réfléchir de fou. Quand je regarde pas les guides, je regarde rien sur le net. Pour comprendre quel set sert à quoi et tout, au secours, quoi. Les anciens sont avec moi. Mais je comprends par contre quand t'enchaînes les saisons ou autre... Peut-être plus stylé. Le gardien de la faille est là. Ah, allez, on va sortir les CD pour le boss. Il est où? Il faut encore voilà. On a sorti les CD pour le boss. Je ne peux rien porter de plus. Ah merde, mes cristaux. Oh, je suis fou là. Je retourne en ville. En streamer, c'est un peu celui-ci là, par contre, le hardcore. Le nombre de fois où je tourne la tête pour mater le chat ou autre. Ça serait compliqué en vrai. Je compte plus mon potion, il est fou. Alors. Encore plein d'armes de merde. Bon, Kadala, je lui achète quoi à Kadala, moi? Je sais pas ce que je lui achète à Kadala maintenant, moi. J'ai besoin de quoi pour finir mes sets? Étendue sauvage, il manque. Alors. Étendue sauvage, il manque quoi? Ouais, Raycor, ça a l'air plus rigolo à jouer. Raycor, il me faut des... Oh, y a déjà des épaules qu'on a complètement pété, ça. Bon, tête, j'ai déjà. Le tentor, j'ai déjà. Il me faut quoi? Putain, j'arrive. Non, gant, c'est bon. Pied, c'est bon. Bah. Je suis con, attendez. J'ai torse, gant... Il manque donc les jambes et les épaules en fait. Ah, il n'y a pas le choix. Faudrait que je les mette. Ah non, juste une pièce en fait. C'est vrai que je... Ah, mais c'est vrai que j'ai le Grandeur Royale donc j'ai besoin que de 5 pièces. À chaque fois, j'oublie. Donc il me faut que les jambes. Ok, c'est parti. On va lui acheter les jambes. Que vous êtes brave. À Micheline. Quoi? Mais je ne savais même pas que j'avais ça. À ce prix-là, c'est donné. Bon, c'est une connasse. J'ai pas pris le truc qui. Mais là, j'ai pas pris le truc qui double Kadala là. Qu'est-ce que c'est que cette connasse? Cuirasse et étendue sauvage, tiens. Ah bah tiens. Ah bah je l'avais déjà, fuck. Appel des anciens, non. Ouais. Nul quoi qu'il arrive. Quoi. Alors bon, on va d'abord dégager les légendaires de merde, là. Ça sera fait. Alors, cri de guerre. Augmente votre vitesse de course et tous vos alliés de 40% pendant 10 secondes. Oh. Mmh. A voir. Vos dégâts augmentent de 116... Nul à chier. Nul à chier. Jambard des sauvages. Bah j'ai déjà. Et en légendaire ancien. De la merde. Tasca et Théo, c'est de la merde. Ça j'ai déjà. Coup de hache. 40% les gars de vos épines s'appliquent à toutes vos attaques. Ok, ça a l'air stylé par contre. Peut-être pour un dégât. Le fameux but de l'épine pour le
croisé. Regardez. L'ardoire. Gruik. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas.